service vous est proposé par la famille de Saint-Joseph. Les moines et moniales de Saint-Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'évangile de la vie. Frères et sœurs, y a-t-il une fête plus joyeuse, plus douce, plus lumineuse que la fête de Noël que nous fêtons ce dimanche? Et je crois que si nous aimons cette fête entre toutes, c'est parce qu'une de ses vertus est de nous permettre de retrouver notre cœur d'enfant. Simplement, en évoquant les cœurs d'enfant, et nous faire attention à la manière dont nous le vivons, sans doute avons-nous à convertir cette joie, non pas à l'abandonner, mais à bien la recevoir de l'enfant de la crèche. Parce que quand on dit cœur d'enfant, peut-être on se souvient de nos Noëls d'antan, quand nous étions nous-mêmes des enfants, et que nous éprouvions une grande joie à l'idée d'abord et ensuite à la découverte de tous les paquets étiquetés à notre nom. De là, reste en nous l'idée que Noël, c'est la joie de recevoir. Et de fait, c'est très vrai, y compris spirituellement, nous avons la joie de recevoir l'enfant Jésus, nous avons la joie de recevoir Dieu qui se fait l'un d'entre nous, qui rentre dans notre famille humaine. Mais pour bien recevoir l'enfant Jésus, il faut avoir compris qu'à Noël, il y a une plus grande joie que celle de recevoir, qui est la joie de donner. Et là, notre expérience d'adulte à tous est riche de ces moments où nous avons pu, gardons l'exemple des enfants, il est facile, où nous avons pu offrir un cadeau qui a apporté un sourire, un bonheur, une joie même passagère. Et ce bonheur-là, qui est le bonheur de donner, surpasse celui que nous avons connu, qui est le bonheur de recevoir. Mais en cela encore, il nous faut nous convertir aujourd'hui. Car il y a une plus grande joie, une joie plus profonde, plus spirituelle que celle de donner. C'est la joie de donner gratuitement. Donner gratuitement, ça ne veut pas dire seulement donner sans rien attendre en retour, sans chercher de compensation, ce qui en soi est déjà très beau et plutôt rare, mais c'est l'expérience de donner sans être reçu, de donner sans être reconnu. Et cette expérience-là est la joie de Noël. C'est la joie de l'enfant Jésus. C'est la joie qui nous rapproche le plus de notre Seigneur dans la crèche. Et c'est ce que saint Jean exprime ainsi. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais non pas tous. Car saint Jean continue, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il y en a donc bien qui l'ont reçu, mais ils sont peu nombreux, ils sont rares. Eh bien, à cela, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. Il y a donc un mouvement de conversion à amorcer aujourd'hui pour devenir pleinement ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Et ce mouvement de conversion, de retournement, c'est celui qui nous oriente vers la crèche. Nous avons le choix, et ça peut paraître bizarre de le dire aujourd'hui, mais quand le dire sinon aujourd'hui, nous avons à faire le choix de nous diriger, de nous mettre en route vers la crèche pour aller adorer l'enfant Dieu. Pour aller recevoir le don qu'il nous fait, qui est sa vie, qui est de devenir enfant de Dieu. Or, on ne peut bien recevoir ce don qu'en ayant compris à quel point il n'est pas attendu, à quel point il n'est pas reconnu. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à observer dans la crèche des détails qui, peut-être, au milieu de tous les lumignons et les chansons, nous avaient échappé. Saint Jean dit en effet cette phrase magnifique, cette phrase sublime, indépassable, « Le Verbe s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair. » Et nous le découvrons dans la crèche comme un enfant, comme un infant, comme un petit bébé qui ne peut pas parler. Noël est le mystère de la pauvreté de Dieu, de la vulnérabilité de Dieu. En contemplant Jésus à la crèche, nous nous rendons compte à quel point, jusqu'où Dieu s'est livré à nous. Il s'est livré entre nos mains, comme ce petit bébé qui, dans ses langes, n'a pas sa liberté de mouvement.
Il ne peut même pas parler. Il n'arrive pas en s'imposant à nous par sa parole, en disant « Je suis Dieu » ou « Je suis votre roi, adorez-moi, obéissez-moi ». Il se donne à nous et il attend qu'on le reconnaisse. Il se tait pour ouvrir nos oreilles. Il se livre entre nos mains pour ouvrir nos bras. Il nous sourit naïvement pour ouvrir nos cœurs. Il se présente à nous comme l'évidence de l'amour. L'amour est évident pour celui qui aime, il demeure invisible pour celui qui n'aime pas. Et ce mouvement d'un don de soi-même, d'un abandon de soi-même dans la main des siens, dans la main de ceux qu'on aime, se propage de la crèche de proche en proche dans le monde entier. Nous venons de voir l'enfant Jésus et tout aussitôt nous découvrons Marie et Joseph qui ne disent rien, qui ne font rien. Ils écoutent, ils regardent, ils accueillent le don de Dieu en faisant le don d'eux-mêmes. Quelle contemplation magnifique! Dieu prend un corps et nous contemplons Marie et Joseph qui, les premiers, en deviennent membres. La naissance de Noël, le mystère de la nativité, est une expérience d'incorporation. Nous devenons enfants de Dieu par le don de nous-mêmes à celui que nous reconnaissons comme notre Dieu et Sauveur. Car cela qui entre dans le mouvement d'adoration de la crèche, nous dit saint Jean, c'est-à-dire ceux qui reçoivent le Verbe de Dieu, ne sont nés ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Reconnaître Dieu, notre reconnaissance envers Dieu qui se fait homme, nous donne, nous confère le pouvoir de naître à la vie divine, à la vie filiale. Frères et sœurs, Marie et Joseph sont pour nous l'image de l'Église qui contemple celui dont elle dépend entièrement. Avec Marie et Joseph, nous sommes l'Église qui accueille avec gratitude celui dont nous dépendons en toutes choses, celui qui est tout pour nous. La voilà la joie indépassable de Noël, se quitter soi-même pour se perdre en Dieu, pour se retrouver en Dieu, et comprendre à quel point le verset introductif de cet évangile nous concerne. Le Verbe était auprès de Dieu, disait saint Jean. Il était uni à Dieu dans un face-à-face qui n'est que don de soi et pur amour. C'est à la crèche que nous réapprenons à nous tenir en face de Dieu. C'est à la crèche que nous sommes initiés à l'adoration des fils. C'est à la crèche que Dieu nous attire irrésistiblement en lui. Frères et sœurs, venez, adorons-le. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !